Bonjour à tous. Guerre de religion, bataille napoléonienne, conflits mondiaux du XXe siècle, émeute urbaine de 2005, culture de la manifestation. En France, on aime se battre. J'aime me battre. Mais la violence physique n'est pas le seul mode d'expression, puisqu'il existe aussi des formes de violence symbolique particulièrement efficaces dans certains cadres. Et parmi les lieux de guérilla inattendus, il y a l'Assemblée nationale. Si les fauteuils du Palais Bourbon sont aussi rouges, c'est peut-être parce que les élus et les gouvernements successifs ont pleuré des larmes de sang face à une arme redoutable, l'obstruction parlementaire. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. L'obstruction parlementaire, c'est ça. You shall not pass! Plus sérieusement, c'est le nom donné à l'ensemble des techniques utilisées au Parlement visant à retarder l'adoption d'un texte de loi. Et quand les uns et les autres poussent le bouchon un peu trop loin, ils peuvent même parvenir à le faire enterrer. Ça ne concerne pas uniquement la France et pas seulement l'Assemblée nationale. La nature humaine étant ce qu'elle est, le trolling parlementaire est assez répandu dans nos chères démocraties. Pour vous, et en exclusivité mondiale sur WIP, on vous a préparé un petit top 3 des meilleures méthodes d'obstruction parlementaire, de la plus reposante à la plus énervante. Numéro 3, les motions de procédure. Ce sont des interventions demandées par les groupes politiques pour qu'ils puissent réaffirmer leur opposition à un texte, et elles font l'objet d'un vote par les parlementaires. Elles interviennent en début d'examen, pour 30 minutes maximum, ce qui rajoute de longues minutes au moment de la discussion générale. Il en existe plusieurs types. La motion de rejet préalable. Comme son nom l'indique, son adoption par les parlementaires entraîne le rejet complet du texte avant même qu'il ne soit discuté, ce qui met fin au game. Eh bien, chers collègues, sur tous ces rangs de cet hémicycle, je vous propose de vous joindre à cette motion de rejet. La motion de renvoi en commission. Comme son nom l'indique aussi, son adoption par les parlementaires renvoie le texte à un nouvel examen en commission, ce qui met aussi fin au game. Dans des temps anciens, la défense de motion pouvait rendre fou, parce qu'avant 1999, tenez-vous bien, le temps de parole pour ces motions était illimité. Ce qui avait permis à Christine Boutin de défendre une motion de procédure contre le PACS en 1998 pendant près de 5h30. Oui, 5h30 de Christine Boutin sans interruption. Autant de temps perdu avant la discussion d'un texte, c'est le meilleur moyen de fatiguer les troupes, d'énerver ceux qui ont déposé les amendements et qui aimeraient bien pouvoir les défendre, et puis surtout, ça peut flinguer l'ordre du jour décidé par le gouvernement. Et ça, c'est plutôt bon esprit, c'est tout le fair-play du sport, toute la beauté du jeu. Mais reprenons. Avec un temps illimité, la méthode demandait quand même pas mal de préparation. Il fallait avoir un bon orateur, qui soit quand même assez endurant, et puis surtout qui ait beaucoup, mais alors beaucoup de choses à raconter. Sans parler des dommages collatéraux pour le député concerné. Alors il va saouler le gouvernement, et même si ça fait partie d'une stratégie qui a été pensée en amont avec son groupe, il va quand même agacer pas mal de monde sur les rangs. Pour l'élu, la motion de procédure était donc une technique d'obstruction à double tranchant. Il va gagner le respect de quelques personnes qui vont louer son talent d'orateur, en revanche on aura quand même nettement moins envie de l'écouter après. Au fur et à mesure, le temps de parole a été redéfini, et aujourd'hui, c'est pas plus d'une demi-heure pour s'exprimer. Cette méthode, c'est donc plus vraiment de l'obstruction. Les groupes politiques les dégainent à chaque texte que vous pourrez voir, que ce soit des propositions de loi ou des projets de loi, mais elles servent plus de prétexte pour gagner du temps de parole et ce, sans se faire interrompre par l'hémicycle. Numéro 2, le dépôt massif d'amendements. C'est la technique la plus impressionnante, c'est celle qui fait faire les photos les plus marquantes, les plus choquantes. Le concept est simple, il s'agit de déposer un nombre abusé d'amendements pour rallonger inutilement la discussion d'un texte. En 2006, l'opposition socialiste avait fait très fort pour un projet de loi sur l'énergie en déposant près de 137 000 amendements. 137 000 putains d'amendements! En signe de protestation, et parce qu'un code de communication, c'est toujours ça de pris, le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Jean-Louis Debré, avait pris la pause à côté de près de 130 000 feuilles blanches pour montrer l'ampleur du travail de blocage qui avait été réalisé par l'opposition. Dernier exemple en date avec la réforme constitutionnelle d'Emmanuel Macron qui reviendra peut-être un jour à l'Assemblée nationale.
En juillet 2018, au moment de son premier examen à l'Assemblée nationale, le député Les Républicains Éric Diard avait en effet préparé le dépôt de 36 000 amendements pour faire reculer le gouvernement sur plusieurs points de la réforme. Un chantage qui était alors resté au stade de la menace. Cette technique demande une grosse préparation en amont, avec la rédaction et la mise en forme de tous les amendements à l'avance, car les délais de dépôt sont souvent très courts, et notamment sur les textes les plus touchy, qui sont les plus à même de susciter l'obstruction parlementaire. Petite précision, le fait d'avoir beaucoup d'amendements, ça ne veut pas forcément dire que c'est de l'obstruction. L'obstruction en tant que telle, elle est voulue, elle est recherchée, et surtout, elle est faite dans le seul but de bordéliser l'examen d'un texte. Pour en revenir à notre dépôt massif d'amendements, les élus auront souvent moins de 72 heures pour tout déposer et faire co-signer, c'est donc un travail de titan qui doit être abattu par leur équipe très rapidement. Paradoxalement, faire perdre du temps, ça peut ressembler à une blitzkrieg. Et enfin, vous l'attendiez, roulement de tambour, numéro 1, la perturbation de la discussion. Pour faire simple, ce sont les prises de parole intempestives, les demandes répétitives de suspension de séance, c'est l'ensemble des épiphénomènes qui concourent à créer des incidents au cours de la discussion du texte. C'est clairement la méthode la plus bordélique, la plus agaçante, mais c'est aussi la plus aléatoire. Déjà parce qu'elle fait appel au talent d'improvisation des députés qui doivent saisir les occasions au vol, mais aussi parce que l'ampleur qu'elle peut prendre est très difficile à prévoir. On a vu un exemple historique assez récemment avec l'affaire Benalla qui a éclaté à la mi-juillet 2018. Tout a commencé au cours des débats sur la réforme constitutionnelle, la fameuse. Une poignée de députés a voulu interroger le gouvernement sur des éléments qui avaient été publiés la veille par Le Monde, et on voit à ce moment-là que ça n'a pas vraiment de rapport avec le texte qui est discuté dans l'hémicycle. À l'origine, il n'y a pas encore d'affaire, et le gouvernement préfère rester silencieux. Et en fait, c'est là que ça a pété. Plusieurs membres du gouvernement se contredisent par médias interposés, le ministre de l'Intérieur refuse de se rendre à l'Assemblée nationale, et ça a pas mal crispé nos parlementaires. Les députés, peu présents au départ, se sont donc engouffrés dans la brèche, enchaînant rappel au règlement sur rappel au règlement et demandant des suspensions de séance. Au fur et à mesure, chacun prend conscience qu'il s'agit d'une occasion rêvée pour paralyser l'Assemblée nationale et pour torpiller le projet de loi constitutionnelle. Surprise, motherfucker! L'Assemblée fut ainsi bloquée pendant 3 jours par plus de 200 rappels au règlement. Les travaux se sont enlisés et l'ambiance de travail dégradée. Et le texte, quant à lui, fut reporté sine die. Une belle victoire pour les oppositions. Mais c'est pas fini, comme vous avez été sage, on vous a gardé un petit bonus pour la fin. Avec l'article 44 alinéa 3 de la Constitution, le vote bloqué. Cette fois-ci, ce ne sont plus les parlementaires, mais le gouvernement qui peut s'amuser. Il peut demander le vote de toute ou partie d'un texte en ne retenant que les amendements qu'il valide. Il suffit ensuite de dégainer le vote bloqué sur une proposition de loi de l'opposition présentée en niche parlementaire, par exemple, ce qui empêche le texte de passer. Formidable, non ? Merci à vous d'avoir regardé ce top 3 jusqu'au bout, vous voyez qu'on sait s'éclater à l'Assemblée. Oui, pas bientôt un an, et c'est aussi grâce à vous qui nous regardez toutes les semaines, alors un grand merci. Comme d'habitude, un petit rappel, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous voulez recevoir les notifications dès qu'on sort une nouvelle vidéo. On assure un travail de veille sur Twitter, sur Facebook, on discute sur Discord et on finance notre travail sur Tipeee. À très bientôt sur WIP.